Merci Maddy. Alors déjà, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder mes vidéos. Je ne m'y attendais pas. Donc, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de savoir un peu comment va évoluer la situation alors sur la France par rapport à ce virus, voir s'il va y avoir quand même une amélioration dans les mois qui viennent. Et donc pour ça, je vais plutôt prendre le jeu de la triade, puisque le jeu du 32 est plutôt utilisé quand on a des questions très précises, avec un oui ou un non, par exemple. Mais quand on va avoir plus de détails, c'est vrai que la triade, c'est quand même mieux. Alors, est-ce que la situation va s'améliorer en France, donc uniquement par rapport au virus, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'atténuer ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une aggravation? Donc là, on va essayer de savoir un petit peu. Donc, j'ai l'été qui ressort. Mais l'été, pour moi, c'est toujours une saison qui va être très importante, puisque déjà, c'est la moitié de l'année. Et donc, il peut y avoir un tournant, déjà à ce niveau-là. Alors, on va plutôt faire deux par deux, parce que je me suis aperçue que c'était pas mal de les sortir deux par deux. On a plus de détails d'un coup. Voilà. Alors, on va les retourner dans l'ordre, hein. Bon, alors ici on a bien les problématiques de changement radical, hein, du fait de deuil, du fait du virus, hein, c'est l'eau. Alors pourquoi est-ce que j'associe ça au virus? Alors comment vous dire? C'est plutôt une intuition plutôt qu'autre chose, hein. C'est pour moi, c'est le virus ici. Il faut retrouver aussi une carte qui le symbolise. Hein. Et mais on a quand même une protection. Alors, maintenant on va retirer les autres cartes, enfin les recouvrir plutôt. Ouais. Alors, la seconde carte sont moins bonnes quand même. Puisque ici, on a un changement radical qui va avoir lieu certainement sur le printemps, déjà. Ici, alors je vous ai dit que c'était le virus. Par contre, je ne peux pas exactement vous dire pourquoi. C'est plus une intuition. Mais regardez, on a le retour du virus. Donc c'est vrai que on a comme un virus qui est là et qui reste ici. Pardon. Ici, on a un malheur et l'illusion. Donc c'est comme si en fait on n'arrivait pas vraiment à savoir. Les malheurs, c'est les deuils. Hein. On est un peu perdu dans une espèce de confusion, d'absence de bonne vision de la réalité, ce qui fait qu'il y a les bonnes décisions qui ne sont pas prises ici. Hein. Et puis là, on a quand même un mensonge. Alors, protection par rapport au mensonge, ben, c'est-à-dire qu'il est bien possible que. Ben, je pense que c'est le vaccin qui n'est pas forcément si efficace que ça. Ou alors on ne nous dit pas tout à ce sujet. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dise aussi, hein, puisqu'il y en a quand même pas mal de censures sur YouTube. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est peut-être pas aussi protégé que on veut bien nous le faire croire. Donc faites attention, hein. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Bon, alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que le virus, il est toujours là. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Et que pour l'instant, eh bien, on est un peu perdu, en fait. Alors, quand je dis on, c'est aussi les personnes qui prennent les décisions pour nous, évidemment. Mais nous-mêmes, en tant que personne, c'est vrai qu'on a du mal, pardon, on a beaucoup de mal à savoir aussi un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est vrai que c'est pas facile non plus, hein. On entend tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça ne facilite pas non plus. Bien de comprendre qu'est-ce qui est, où est la réalité dans tout ce qu'on nous raconte. Hein. Alors, on va rester quand même sur le virus. Moi, je veux savoir si on va s'en sortir. Bon, alors on a quand même la carte du sacrifice ici. Je pense que vous la voyez bien. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une période difficile au niveau du printemps ici.
Oui, on a quand même des cartes qui sont cohérentes, hein, puisqu'on a le retour du virus et avec quand même beaucoup de doutes. Alors ça peut être des histoires de variants ou de mutations qui fait qu'on a toujours un virus qui est en circulation finalement, hein. Donc il y a une attente ici. Alors une attente, hein, on prie pour que les choses aillent mieux. Mais ici, eh bien, c'est comme si en fait. Les choses se terminent, ben oui, oui et non en fait. Hein. C'est comme si finalement il y avait une fermeture ici. C'est quand même un cycle qui se finit, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du virus. Alors, toujours une situation difficile. Hein. Alors, ce fameux virus, est-ce qu'il va finir par partir? Ben, je dirais que non, puisque on a quand même toujours des choses qui vont passer par des choses à faire, des choses qui sont nécessaires. Alors, ça peut passer par le vaccin, puisque là, je suis en train de regarder comment on appelle ça, au bout de la quenouille, vous savez, ce qui pique. Donc ça, c'est plutôt le vaccin. Donc, nécessité de passer par là. Silence. C'est pas une carte qui est très active, ça. Une carte d'eau, une carte aquatique. Ça bouge pas beaucoup, hein. Y a plein de choses qu'on va pas nous dire en plus. Ouais. On est toujours, en fait, on va toujours être surveillé en ce sens. Où les personnes qui vont être vaccinées vont être surveillées de toute façon par rapport à ce que ce vaccin eh bien, va développer, hein, une immunité ou pas. Et les personnes qui ne vont pas être vaccinées, de toute façon, seront aussi surveillées. Donc, dans les deux cas, on est quand même en observation. Cette carte-là, elle est quand même très puissante, hein. Il y a beaucoup de stagnation dans ces cartes. C'est-à-dire qu'en fait, la situation, pour l'instant, n'évolue pas. Alors, on va passer par un choix à faire. Moi, je pense que ce sera plutôt en fin d'année. Alors, un choix qui peut être finalement assez brutal. Alors, par rapport à des questions, alors d'amour, de messages. Mais ça, c'est les contacts, hein. C'est les contacts qu'on a avec autrui, les contacts sociaux, hein. Vous avez la carte ici vraiment de sympathie, d'amour. Par rapport aux gens avec lesquels on est, avec les gens avec lesquels on communique. Donc pour moi, ici, cette carte-là, elle parle de nos interactions sociales. Donc il va y avoir une décision par rapport à ça. Ah, on a l'impression que les choses vont quand même s'améliorer. Donc on va quand même vers un mieux, mais c'est vraiment à partir de l'été aussi, hein. Oui, où là, il va y avoir une amélioration. Alors bien que pour moi le virus sera quand même toujours là, mais j'ai l'impression quand même que les choses vont plus bouger à partir de la seconde partie de l'année. Donc on devrait arriver à avoir une amélioration de ce point de vue-là. C'est-à-dire des limitations qui sont un petit peu plus souples, où on a plus de liberté. Oui, regardez, j'ai la carte de la paix. Là, c'est quand on pense nos blessures. Bon, donc c'est bien en fait les 6 premiers mois de l'année qui vont être vraiment difficiles. Et à partir de l'été, alors été, automne, hein, parce que l'été, ça dure jusqu'au mois de septembre. Donc le début de l'automne, j'ai l'impression quand même qu'il devrait y avoir une amélioration. Bon, alors ça, c'est le premier tirage que je voulais vous faire. Merci de m'avoir regardé. Et puis, si cette petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker. Et ainsi, eh bien, je ferai davantage de tirages. Merci beaucoup. Au revoir.